vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même. Sans elle, tous mes côtés n'aiment. Amen. Chers frères et sœurs et amis de partout, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, Light and Peace Ministry vous salue en ce dimanche 28 février, qui c'est deuxième mois, année que nous sommes en fin, maintenant, le premier dimanche, c'est maintenant, dernier dimanche mois, et nous espérons que vous êtes bien dormi, et vous êtes réveillé avec tous vos sens, tous vos membres et tous vos organes. Que le nom du Seigneur soit béni, soit loué. Amen. Et maintenant, on peut dire, Seigneur, encore un gros merci, parce que nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur pour contempler Dieu dans sa magnificence, pour remercier pour sa grâce infinie envers nous. Et que son nom soit exalté et lumière et paix à chacun de vous. Amen. 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 Donc, après entrer dans la dernière ligne droite, tellement il n'y a pas fait qu'à l'émergé, il nous joigne dans 1 Jean 1, verset 3, demandez-nous pour nous souhaiter en communion avec le Père par le Fils. Et maintenant, en dépit de tout modérateur, de tout monde qui prêchait sous l'élan, et Pasteur Carl, Pasteur Opa, Saint Nicole, et tout, et j'en passe, nous censés ne pas épuiser tellement. Tellement son thème qui vient en pile l'abondance la donne. Mais maintenant, pour nous arriver dans la dernière ligne droite là, ça que m'a dit nous maintenant, nous allons chercher à identifier toute une série de facteurs qui empêchaient de communion. Parce que nous ne pouvons pas vivre sans communion avec mon Dieu. Et quel que soit Jean, l'organe maman avec papa ou au service de famille ou t'as voulu côtoyer, si toutefois ou pas t'arrêter en communion attaché avec famille, ça vient de faire qu'il y a des dilemmes pour aborder, pour approcher. Ça que vous voyez, la communion, c'est un bagage fondamental qui est lié dans la vie chrétienne. Et maintenant, Abdou, soyez libérés de tout mal pour garder votre communion avec Dieu. Car votre communion dépend des gens qui ont des relations avec le Père par le Fils. Au cours de moi, ça, nous parlons en pile concernant la communion avec Dieu par le Fils et comment nous devons comporter nous pour être en communion avec Dieu. Nous te voyons les bienfaits qui en découlent de notre communion avec Dieu et comment Dieu nous protège, comment Dieu nous surveille, comment Dieu nous console, nous contrôle. Et maintenant, un dernier dimanche, Abdou souvle, timbé, communion parfaite là, avec mon Dieu, harmonie ça, souvle manifester amour avec Dieu, Abdou, soyez libéré de tout mal. Et nous devrions être libérés du mal dans notre cœur, frères et sœurs, pour entretenir de bonnes relations avec Dieu. Donc, Jésus, dans le modèle de prière qu'il t'a laissé pour nous dans Matthieu 6, verset 13, il a dit ceci, « Délivrez-nous du malin. » Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Ça veut dire que, frères et sœurs, nous avons besoin d'être libérés. Est-ce que nous, conscients de liberté, nous, pas qu'on est pour tout le monde, mais
Essayez ou t'as rentré dans l'ascenseur, ou t'as rentré dans la chambre, c'est pas où fermer tête tout. Et puis, ou est porte la clôture, il ferme tout ça, vous faites pour sortir ou pas qu'à sortir, ou priver de liberté, ou pour ouais. C'est le sens de ma parole là. Ou t'as rentré dans l'ascenseur, ou arrivé dans l'étage où pour sortir, l'ascenseur bloqué, ou après les secours, ou pas qu'à joindre. Mais c'est comme ça alors. Privé de liberté, les mal empêchant d'entrer en communication avec bon Dieu. Et je dis, étant qu'haïtien, ça n'a pas l'air, nous-mêmes, étant que peuple qui premier écrit liberté en créole, eh bien, je n'ai pas l'eau là, je n'ai pas l'eau étant que chrétien haïtien, elle a parlé de liberté. Nous, on parlait de liberté dans le sens. Mais, liberté n'a pas l'eau là, n'a pas l'eau. Nous connaissons ça que les libertés étant haïtiens, mais n'a pas l'eau dans l'autre sens qui était chrétien haïtien. C'est-à-dire que nous avons été mieux placés parmi tout peuple sous la terre pour nous connaître qui ça y aurait les libertés. Maintenant, et je dis à malgré nous, et en pile fois nous avons posé cette question, nous avons tout sacrifice, j'en sais fait. Pour nous, qui boutait ça comme héritage aujourd'hui, on a promis pour lui, dans l'égoïsme, dans faire mal. Eh bien, parfois, on a demandé nous, qui ça causait le mal dans nous? Et pourquoi y a-t-il tant de mal? Pourquoi avons-nous un sentiment de vengeance? Parfois, c'est tout mal, ça, on a cherché à questionner pour nous, qui ça qu'on vient pour lâcher la communion, ça, pour retirer nous la présence de Dieu. Pour qui ça, toute vengeance, ça, tandis que la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Pourquoi? Parfois, il y a des fois, et nous jeunes quelque part, il y a des bagailles qui vivent, nous sommes, c'est un malin qui fait ça. Nous sommes, c'est un ennemi qu'on fait ça. Et parfois, pas d'entrée, c'est nous-mêmes qui baillons par le fait que nous pas entretenir relation, communion ça. Et parfois, les mal à venir, nous répétons, nous dit mal. Mais parfois, nous pas défini qui ça qui mal là, qui concept mal là. Avant que nous voyons cause yo. Et mais qu'a écrit, qu'a défini, on dit le mal, c'est contraire de bien. C'est ce qui est mauvais, qui nuisible, qui désavantageux, qui préjudiciable. Et contraire à la vertu, à la morale, à la pudeur, à la probité, à l'honneur. Et nous, ouais, de l'Ancien à Nouveau Testament, la parole de Dieu dit nous, pratiquez le bien. Et nous, ouais, Paul même, qui dit nous, qui était un persécuteur des chrétiens, qui était persécuteur de l'Église. Paul dit nous, ayez le mal en horreur. Et nous, ouais, pendant tout thème, la définie thème communion avec Dieu, nous te baou toute une série de listes. Et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et nous, ouais, dans toute liste que nous te baillons, nous te essayons d'aborder. Le mal, en fait, il fait partie de l'Issalo. Souvent, le mal qui n'a qu'un nous, qui est dû à la jalousie, à l'offense subie, à notre ego, la source même du mal, qu'on y a une tête de conseil. Offense que nous subissons. Parfois, c'est une injure de fait ou de parole. Et tout bagage, ça, c'est un manquement à Dieu. Soit par une parole ou bien par une action. Maintenant, c'est tout. Jouer ça, on a essayé
identifier pour nous, ouais, pour qui ça, comment, et côté, en dépit de tout effort, nous consentis, pour nous prier, pour nous créer une relation, pour nous marcher main en main avec nos Dieu. Maintenant, on a essayé de garder, pour nous, dans quelle mesure, nous sommes capables de lâcher les choses, qui sont pour nous retirer dans la présence de Dieu, qui pour nous retirer nous dans la communion avec Papa nous. Égoïste, dans les défauts qui consistaient pour nous guérir toute bagaille à porter nous. Tout pour nous et rien pour les autres. Ces bagailles, ça y est, qui créaient parfois des jalousies, bagailles, ça y est, qui créaient des kamikazes, des djihadistes islamiques, qui créaient une inégalité sociale. Égoïsme, une source du mal, offense subie, la jalousie. Et depuis de ne pas posséder à l'autre, ça qui y a même la richesse, le succès, la gloire, le talent. Et fort de toutes ces considérations, mes frères et sœurs, nous avons besoin d'être délivrés, d'être libérés, c'est-à-dire détachez-nous de tout ça qui oppresse nous, qui fait nous souffrir, qui rend nous incommodes. Et bien aimé, chaque fois qu'il y a insatisfaction, ça y est, il y a réveillé en nous le mal qui a dormi la caille nous, l'injustice. Nous avons passé aujourd'hui dans toute société, particulièrement la caille nous. Et nous avons demandé pourcentage de communion avec Dieu, à qui degré est arrivé. Sitôt nous-mêmes, nous avons regardé ce qui a passé dans le pays, nous. Le mal qui a causé injustice, qui a causé longtemps l'injustice. Nous avons vu, nous avons baillé de peine, nous avons infligé des peines, nous avons tracé des exemples pour que le mal ne continue à gangrener la société. Nous avons condamné au monde qui fait un meurtre, qui violé. Qui tué, le condamné la travaux forcés, leur passé dans la machine Braliatmel, nous avons tout bon marine haïtienne, c'est nègres qui condamné, qui a saclé la rue, qui a nettoyé, Jean le Port-au-Prince sale, qui a fait mal, ça y est, qui a mal, qui a été condamné, qui a mis la macaque sur eux pour déguiser la société. C'est Jean le Port-au-Prince sale, qui a fait un petit dent, au moins, tu as une visibilité. Eh bien, je dis, on a essayé de décortiquer le mal que la jalousie, que l'ego a réveillé en nous et empêché nous de communier avec Dieu. Il y a tout, le vieil homme en nous qui apparaît quand on est jaloux, égoïste. Ça pousse nous, ça insiste nous, fait mal. Et parfois, on a viré dans tout boîte camion dans le pays d'Haïti, où est la jalousie rend l'homme méchant. C'est ça, je dis. C'est-à-dire que je connais ça qui crée tout mal ça dans la société. Et c'est ça, je dis, tant que l'homme dans toute, bah, comme société civile. Mais qui ça, la Bible nous dit, la Bible même dit nous, la jalousie met l'homme en fureur au jour du jugement. Il est sans pitié. Même quand on lui offre des dons, ce sont des sentiments à éradiquer chez nous. On a par exemple des hommes dans la Bible, comme c'est à la lumière de la Bible, on a parlé. Nous jouons Saul, et nous avons parlé de Léa qui vient Paul. Nous jouons David, qui vient Wa. Et M. Sayo, qui gagne statue. David qui était un statut berger, qui était venu à Israël, et après, ça égoïste que rend M. Sayo, l'égoïste que M. Sayo cultivait,
ça créait dans le cœur un mauvais sentiment, le mal. Et puis les incitait à la haine, au point qu'ils ont occasionné la mort de l'autre monde. Donc le mal dans les cœurs nous rend meurtriers, méchants, en d'autres termes. Pour garder notre communion avec Dieu, il faut absolument éradiquer le mal. Et nous joignons dans 2 Samuel, chapitre 11, verset 15. Le mal dans les cœurs de David l'a poussé à écrire ceci. Placez Uri au parfum du combat. Et nous constatons pas arriver Uri. Et Saul même a persécuté les chrétiens dans l'acte des apôtres. Nous avons deux messieurs à eux qui ont cultivé dans la vie le sentiment de haine. Ils étaient égoïstes et avaient le mal dans les cœurs. Et comment ils ont pu être délivrés de la puissance du mal? David et Paul, délivrés sous la loi du péché et de la mort. Dans Romains 7, verset 24, Paul n'a pas fini par prendre conscience de son état, bien était être appelé par Jésus sur la route de Damas. Paul décrit, misérable que je suis, qui me délivra du corps de cette mort? Frères et sœurs, et prend conscience. Il était pris une décision, celle de dépouiller, de débarrasser de ce mauvais désir. Dans Philippiens 3, verset 7, Paul Pral dit, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. David, de son côté, on connaît, bah, yo, il te reconnaît, culpabilité, le faute, lui. Et chez lui, yo, c'est ça que t'as pas le mandi, secours à Dieu dans Somme 51. Et pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, Somme que n'a pas cité. N'a pas cité, chaque jour, nous fait mal. Chaque jour, nous finissons bagaille, nous voulons aller en communion, si tout le monde va prendre la scène. Nous faisons tout bagaille consciemment. Mais nous connaissons pertinemment comment sentiment, comment communion à son bagaille qui est précieux pour nous. Nous faisons un coup pour là. Nous finissons les bagailles. Les mettre bagailles la vie, là, les télé pour là, le bal de patachouel, les lagues de la tête. Nous la font quoi? Et puis demain, où elle sous, et c'est lié encore là pour faire des gars. C'est comme ça, il y a pas somme 51. Parfois, c'est une somme qui est chiffonnée dans la Bible tellement il y a des gens qui peuvent prendre, ils boivent comme si et ça peut effacer le pardon des péchés pour rejoindre une petite communion. Mais en vérité, c'est bien compté, mal calculé. David, malgré l'écrit, somme-là, il te dit moi, fais. Et confession ça, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche, dans ton jugement. Il a été fait tout ça. C'est pour te conserver relation, communion, du moins avec Dieu. Et pour nous conserver alliance à Dieu, pour être délivré de la puissance du mal. Il faudrait avoir la connaissance, la compréhension de la parole de Dieu, les frères et sœurs. Mais nous persévérer dans l'enseignement, comme les apôtres, dans les études, méditer. J'en vois, parce que chaque fin de mois, nous allons prier pour nous joindre des provisions, pour nous méditer, pour nous parler ensemble. Soleil-là. Prenez le temps de découvrir ce que Dieu est. Les qualités de Dieu, nous avons été communiqués avec lui, avec nos semblables, à savoir émettre des réflexions positives à l'égard de l'autre.
Faites un effort, mes chers frères et sœurs. Agis en considérant l'autre comme une partie de nous-mêmes. Comme ça, Alléluia. Il y a tout mal ça. Il y a tout commérage à nous. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Si vous avez retiré le mal qui est dans le cœur et pour garder communion avec Dieu. Et nous va joindre où Jésus scellé à Moussa, où Jésus scellé, renouvelé à Liansa, où Jésus gardé communion ça avec nous. On va joindre dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26 à 32. Jésus-Christ va sceller communion ça, va sceller, renouveler alliance ça. Il va demander de nous le faire. Il dit, t'as toutes les fois pour manger ce pain, dans le dernier repas, il te guère avec M. Damio. M. Yo, que vous bouvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi c'est lui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement, sera coupable envers le corps du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et ainsi, il mange du pain et boit de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades, quand un grand nombre sont morts. Donc, si nous voulons garder communions-nous, garder relations-nous, comprendre engagement ça, comprendre l'amour, comprendre relation entre père et fils ça, la débat matin. Nous devons commencer par porter un jugement contre nous-mêmes. Alors si nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Et deuxième partie, nous apprenons dans le thème là, c'est relation avec Dieu, nous capables de dire, communion nous avec Dieu, de nous garder ça qui dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26 à 32, eh bien, notre communion, notre relation avec Dieu, c'est un engagement. Ça pousse nous à poser cette question encore. Comment entretenir cette relation, cet engagement avec Dieu maintenant. Ça veut dire que pour nous, quelle relation, quel engagement ça a. Et nous, ça ramène nous. Nous devons remettre bon Dieu. Nous devons remettre parole. Nous devons avoir un amour ardent pour la vérité. Bien-aimés, à la lumière de la parole de Dieu, nous comprenons que maintient une bonne relation avec ceux ou celles qui l'aiment. Donc, il faut aimer mon Dieu. Il faut démontrer votre amour pour Dieu par des actions, par des gestes. Donc, il ne s'agit pas d'aimer Dieu en parole seulement, mais en action. Nous parlons. Côté l'Éternel parla avec Salomon. Dans Proverbe 8, verset 17, il nous dit, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent avec empressement me trouvent. Et la continuer, il continue à parler avec Salomon. La continuer. M'en dit amour avec Salomon. Il dit pour moi, règne le roi. Chez moi sont la richesse et la gloire, les biens solides et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, fin, mes produits meilleurs que le pur argent. Je marche dans le chemin de la justice, dans les sentiers du droit, pour procurer des biens à ceux qui m'aiment et remplir leur trésor.
jwenn parol sa nan Proverbe chapitre 8 verset 17 à 21. Donc aimer Dieu, chers frères et sœurs, c'est montrer amour nous pour bon Dieu et vous verrez les bénédictions de Dieu. J'aime te dire nous dans la méditation déjà. Le jeune le prophète Jérémie, l'essayer, côté l'essayer Tabdil, vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc il est crucial pour nous, chrétiens matin qui sont là, pour nous chercher communion avec Dieu, pour nous chercher relation, soyez relation, nous chercher bon Dieu de tout cœur. Et nous serons en communion avec lui. Et nous joignons Jésus dans ses entretiens avec ses disciples. Il n'a pas déjà manqué à sérieux, respecter. Il n'a pas déjà manqué à sérieux le respect de la parole de Dieu. Les disciples également, ils savaient que pour garder leur communion avec Maître, ils devaient se soumettre et obéir à la voix de Dieu. Cet enseignement est aussi valable pour nous-mêmes, je dis, à qui sommes là, à continuer à forcer nous, pour nous joindre bénédiction, pour nous garder, comme nous, communion nous avec Dieu, demander nous, pour nous consentir des sacrifices. Ce n'est pas comme ça que la communion a fini. Communion, son bagage, pour planter, pour arroser, pour nettoyer, pour retirer une série de déchets. Pardonner parce que bon Dieu n'est pas bien heureux côté qui sale, il n'est pas donné, il n'est pas bail grâce sous grâce, mes bien-aimés. C'est en respectant le Seigneur que nous pouvons lui montrer notre amour. Jésus, notre modèle, a respecté Dieu. Il faisait la volonté de son Père, attaché avec lui, il était en communion avec Papa. C'est ça qui n'a pas encouragé au matin. C'est ça. Demandé pour nous faire matin. Aimer Dieu en respectant sa parole, ses ordonnances, ses commandements. L'apôtre Jacques nous dit, mettez en pratique sa parole. Ne vous bornez pas à l'écouter. Et sinon, vous allez vous tromper par des fausses. Donc, écoutez l'enseignement de Jésus. Dans Jean 14, verset 23 et 24, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure. C'est lui qui m'aime, il ne garde pas mes paroles. Et ma parole n'est pas mienne, c'est la parole de celui m'a envoyé. Jean 14, verset 23 et 24. Donc, après une telle déclaration, Jude avait pris la parole et dit, Jésus, Seigneur, d'où vient et tu te feras connaître à nous. Il t'a demandé, Jésus, et sur ça, et non, comment Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il reprend même parole encore. Il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est lui qui ne m'aime pas, ne garde point la parole et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, ok? Nous voyons la récompense, nous voyons les bienfaits. Et l'on trouve, les nous garder, nous, avec la parole de Dieu, lorsque nous aimons le Père et le Fils. Donc, nous viendrons habiter chez nous. Jésus même qui dit ça. Lui et le Père, ils feront leur demeure chez nous. Et puis, nous récompense. Tout le monde a avantage, tout le privilège qui gagne lorsque nous gardons les paroles, nous manifestons à nous
Donc, garder communion, nous. Et puis, pour Jésus et papa, il fait deux mêles la caille. Et pourquoi pas le Saint-Esprit, habiter nous, dans toute bonne œuvre. Juste nous-mêmes, tout. Le bon Dieu vient habiter dans nous. Maintenant, terminant, vini, parce que Jésus a cherché une petite place. Maintenant, Jésus a cherché côté. Parce que nous, où est-ce qui s'est passé là? C'est-à-dire que Jésus, un bagage qui est beau pour nous. Et pour l'Esprit bon Dieu, retenant nous, comment la montrer, comment lui demander nous pour nous chercher, pour nous obéissant, comment pour nous montrer notre obéissance envers Dieu. Eh bien, aimé, notre obéissance au commandement de Dieu s'explique la manifestation de notre amour pour lui. Par nos gestes, par nos réflexions, la manifestation par nos paroles, par nos prises de position. Nous capables de prouver à mon nom, Dieu, notre obéissance au commandement de Dieu explique la place que nous accordons à Dieu dans notre vie. Il a toujours enseigné nous, désigner nous, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Accorder la première place là. Et là, la première bénédiction de Dieu. Notre obéissance, mes frères et frères et sœurs, s'explique aussi en notre reconnaissance de l'amour de Dieu qui aide nous à garder ses ordonnances. Dieu nous aime, il nous donne son amour à son Fils unique. Jésus-Christ, il nous donne son esprit, il nous donne sa force, il nous supporte, il nous encadre, il nous fortifie pour que nous puissions garder ce commandement, notre communion. Et là, Jésus vient pour juger nous, de l'abvenir comme juge. Parce que nous avons toute provision, nous avons toute ordonnance, nous avons toute règle, toute recommandation pour nous faire chemin, pour nous garder communion nous avec mon Dieu. Et toute la grâce qui accompagne nous. Et ceci, ce n'est pas seulement pour des relations avec. Comme si son monde qui voulait des relations. Nous-mêmes, nous cherchons à couper fâché avec nous, pas mal pour se débagayer dans nous. Et puis, comme si nous, Jésus sorti, est-ce qu'il a pas acheté fille de nous? Nous, bah, il y a beau pour nous. Et il garde nous. Il garde amour pour nous. Il vient supporter nous, même dans les afflictions. Même dans les moments difficiles, il est toujours là pour le délivrer nous. Donc, matin, à travers la thématique, là, il nous donne les outils nécessaires pour ne pas respecter la parole, pour nous rester en communion avec lui. C'est comme si c'est un monde qui a chouchouté nous pour un bagage qui est bon pour nous. Et mon cadeau a vérité si l'évangile pas de sale que y a. Si l'évangile pas de l'évangile, le dialogue n'est que si nous prenons un bon bar et ça n'a même pas. Il pas à monter, à craser l'estomac et à prier, à dire moun. Mais ça a bon pour vous. Vous n'avez pas de problème pour prendre un bon bar et ça. Mais comme l'évangile, c'est l'évangile, il y a une recommandation sous tête lui. Il dit non. Parce que Dieu n'est pas un homme, il est Dieu. L'évangile la bonne recommandation qui toujours dit nous aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est mission ça. Mais, c'est comme si, ouais, nous avons longtemps la brûler nous, en pile thème, à débattre. C'est comme si, au senti pourcentage monde qui brûle nous, au lieu d'augmenter, c'est diminuer, à diminuer. Parce que le mal prend place pour chasser nous. Retirez-nous pour racheter la présence de Dieu, pour retirez-nous la communion. Ça. Chers amis, nous allons quitter vous. Et bon Dieu qui bat nous toutes privilèges, qui bat nous toutes recommandations.
Fè nou gen amou pou parol, bon Diyo. Nou te bo un peu nan tout sa kou ka benefisye. Nan tout sa ki nou kapab jwen. E maten, nou kwa ke nan meditasyon sa ou nou vina jwen yon lot pati. Nou Diyo ou ka jwen plus benediksyon ankor. Men se mye pou konen bon Diyo dan se atribu. Ou jouye de la communion du Père et du Fils. Nous devons chercher à connaître Dieu dans son omnipotence, dans son omniscience, dans son omniprésence, dans sa fidélité, dans son amour et dans sa justice. Nous demandons Dieu pour nous ouvrir les yeux spirituels, pour faire briller sur nous la lumière de sa face. Pour nous connaître mieux, pour nous connaître davantage. Et c'est mieux nous capables de découvrir dans lui. La face cachée. Il y a des bagailles. Si nous te connais, nous te adopté, nous te rentré en communion à bon Dieu. Quand nous serviteurs à chanter, nous t'as même mangé, bon Dieu, bon Dieu. Donc il y a des grandes bénédictions pour celui au sel qui respecte les Seigneurs et qui obéit. Aimez Dieu, mes bien-aimés, pour être toujours en communion avec lui. Gardez votre relation avec lui. Il vous bénisse, il vous aide, il ouvre vos yeux spirituels et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours. Bonne dimanche et bonne adoration. Amen, amen, amen. Hallelujah.